Bonjour, bonjour à tous, les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG avec vous. Très content de vous retrouver pour la suite de Tomb Raider. De Talos Principle, plutôt. Ça commence par un T, mais c'est pas Tomb Raider, c'est Talos Principle. Et on va continuer aujourd'hui le jeu, et on a terminé d'explorer tous les mondes, le monde A, le monde B, le monde C. Donc aujourd'hui, on va aller dans la tour, on va commencer les quatre premiers étages de la tour. Sachant qu'il y a une énigme à chaque étage. Et sachant qu'on ne peut pas terminer l'ascension de la tour aujourd'hui, puisque il nous faut visiter les mondes des étoiles, puisque dans les mondes des étoiles, vous récupérez des sigils gris. Et les sigils gris permettent d'accéder au sixième étage. Ok? Donc aujourd'hui, on va faire que les quatre premiers. On va récupérer deux étoiles supplémentaires, puisque pour accéder au monde des étoiles, pour récupérer les sigils gris, il nous faut 30 étoiles, et on n'en a que 27. On va en récupérer deux de plus aujourd'hui, et la prochaine fois, on va dans les mondes des messagers, on récupérera la dernière. Et ensuite, monte des étoiles, et ensuite, on termine l'ascension de la tour. Voilà un petit peu ce qui nous attend. Ok, donc là, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la hache, et on va débloquer tous les mondes des messagers. Donc, je prends la hache. Les mondes des messagers sont cachés derrière les planches que vous voyez là. Voilà, le monde des messagers du monde C est débloqué. Et on a besoin de cette hache pour récupérer la première étoile, justement, donc c'est pour ça que je la prends. Et là, je vais aller débloquer les mondes des messagers des mondes B et A. Et ensuite, on récupère la première étoile et on fait le premier étage. Ok? Donc, on ressort d'ici. Je suis pas obligé de faire ça tout de suite, mais au moins ça sera fait. Les mondes des messagers seront débloqués. On n'aura plus qu'à y aller dans le prochain épisode. Voilà. Alors vous allez voir, les énigmes qu'on a dans la tour sont quand même moins compliquées que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant là. Donc ça va être sympa. Ça va pas trop être pénible, ça va être cool. Donc là je vais aller dans le monde A, on va débloquer le monde des messagers du monde A. Voilà. Ah, j'ai hâte de voir la fin du jeu, hein. J'espère que vous aussi vous êtes impatients. Si jamais il y en a parmi vous qui connaissent pas la fin du jeu, sachant que vous pouvez avoir plusieurs fins dans le jeu. Je pourrais pas toutes vous les montrer, je pense pas, hein. Je vous en montrerai une et c'est tout. Je crois que ça dépend de ce que vous dites dans les terminaux. Où est le monde des messagers? Ah, il est là. On va casser ça. Monde des messagers du monde A, débloqué. Oui, ça dépend, je crois, de ce que vous dites dans les terminaux. Si vous faites confiance à telle ou telle personne, ça change à la fin, enfin vous verrez bien. J'ai pas encore trop de... Je sais pas trop encore comment se termine le jeu, moi non plus. Donc, mais je crois que ça dépend, ouais, de comment vous parlez dans les terminaux et tout ça. Donc, je vous montrerai qu'une seule fin, bien sûr, je vais pas toutes vous les montrer. Mais par contre, je ferai le DLC, bien sûr. Le DLC Road to Gehenna, qui est un DLC intéressant puisque je crois qu'on incarne, juste pour vous teaser un petit peu le DLC, vu qu'on est en train de faire ça là, le DLC, je crois qu'on incarne un serviteur d'Elohim qui est chargé par Elohim de trouver un androïde qui s'est un peu échappé, vous voyez, et de le remettre sur le droit chemin, c'est-à-dire le chemin d'Elohim. Donc je crois que c'est ça qui se passe dans le DLC. Donc ça m'a l'air très intéressant, c'est pour ça que j'ai envie de le faire. On va débloquer tout de suite le monde des messagers du monde B. Et voilà. Et on garde la hache avec nous, puisqu'elle va nous servir pour l'étoile suivante. Ok. Voilà, là j'ai débloqué tous les mondes des messagers, on n'aura plus qu'à y aller, c'est parfait. Maintenant, intéressons-nous à la tour. La tour qui nous était interdite, Elohim nous a toujours dit de ne pas aller dans la tour. Mais maintenant qu'on a terminé tout ce qu'il y avait à faire, j'ai le droit d'aller dans la tour, hein, franchement, j'ai tout fait. Voilà. Allons à l'intérieur. Ça doit être la tour contre laquelle nous avons été mis en garde. On dirait que les niveaux supérieurs sont verrouillés. Elohim ne veut pas prendre le risque que nous dévions de son chemin. Brebis. Gardez à l'esprit brebis. On va le retrouver un peu plus loin. Donc voilà. Les niveaux supérieurs sont verrouillés, oui. Parce qu'en fait, les énigmes que vous faites dans chaque étage, ça permet de débloquer l'étage suivant. Alors là,
je vais avancer ici. On a un ascenseur, bien sûr, avec les 6 étages de la tour. Mais si je vais de ce côté, d'autres QR codes. La voix continue de me parler, je peux pas la sortir de ma tête, c'est mal, tout ça est mal. Écoutez-moi attentivement, j'ai escaladé la tour et il n'en est sorti rien de bon. Ce monde est le seul monde, la volonté d'Elohim demeure pour l'éternité, et le paradis bannit tout cela de votre esprit. Samsara, on va en reparler aussi, Samsara qui est devenu aussi un fidèle d'Elohim. Ou une fidèle d'Elohim, je sais pas. Enfin non, ça va être un, puisque c'est un androïde. Tous ceux qui disent être parvenus au sommet mentent, sinon ils diraient ce qu'ils ont vu. C'est pas faux. Attendez, je crois que ma webcam est un peu tordue, hein. Ah non, ça va. Ok. Donc ici, pourquoi est-ce que j'ai emmené là, jusque-là? Regardez. Encore des planches à casser. Voilà, cette fois-ci, on n'a plus besoin de la hache. Et ici, on a une source bleue. Une source bleue qu'il va falloir emmener jusque vers le bâtiment qui est là. C'est là-dedans qu'on a l'étoile suivante. Ok. Mais pour aller, pour emmener le rayon bleu jusque là-bas, il faut des connecteurs, bien sûr. Et les connecteurs, ça sera ceux de la première énigme qu'on va faire tout de suite au premier étage. Allons-y. Impossible de détecter position sujet principal. Requête, requête, requête. Premier étage de la tour. Alors à chaque étage, on aura aussi un terminal et un enregistrement audio, comme celui-là par exemple. Y a-t-il quelque chose que nous associons plus étroitement avec l'intelligence que la curiosité? Toutes les espèces intelligentes sur Terre sont attirées par l'inconnu. Nos mythologies sont pleines d'énigmes, de mystères et de connaissances divines. Même le mot apocalypse signifie révélation. Il semble que nos ancêtres ont toujours imaginé que même à la fin, nous résoudrions un dernier mystère. La curiosité qui fait partie de des êtres humains, donc forcément les androïdes qui sont là, créés pour ressembler aux humains, bah ils sont curieux aussi de savoir ce qu'il y a dans la, ce qu'il y a dans la tour. Alors ici, à chaque fois qu'on arrive à un étage, il faut qu'on utilise les sigils rouges qu'on a récupérés jusqu'à maintenant pour faire un petit, une petite énigme comme ça. D'ailleurs, sur les mondes des messagers, il n'y a que des énigmes comme ça. Donc je vais chercher les solutions, parce que j'ai pas envie de galérer là-dessus pendant 3 heures. Là, ça va pas être très compliqué, je pense. Comme ça. Voilà. Puis me voir galérer sur un truc comme ça, je pense que c'est pas très intéressant à regarder. Donc, pour les mondes des messagers, j'aurai les solutions. Là aussi, j'ai les solutions des autres énigmes comme ça sur mon deuxième écran, si jamais je galère. Mais, voilà. Alors, premier étage. Voici la première énigme de la tour. Donc là, vous voyez, encore une fois, un champ de force. Hein. On peut pas prendre les objets qui sont à l'intérieur et les sortir dehors. Donc, il faut faire cette énigme ici, avec deux connecteurs. On en a deux ici, vous voyez. Et un drone. Un récepteur au bout et une barrière bleue. Et vous voyez qu'on a un terminal juste au bout. Puisqu'en fait, je vous ai dit que les énigmes de la tour, chaque énigme permet de débloquer l'étage supérieur. On débloque les étages supérieurs grâce à ces terminaux. Donc il faut absolument accéder à ces terminaux. Et pour cela, donc, il faudrait débloquer la barrière avec un rayon bleu. Sauf que le rayon bleu... Alors la source est ici déjà. Mais le rayon bleu, ça va être compliqué puisque regardez, si je fais ça... On essaye de charger, mais le drone nous en empêche, bien sûr. Mais c'est pas très grave, puisque on a un deuxième connecteur. Donc forcément, si on a deux rayons qui alimentent le même récepteur, le drone peut pas couper les deux rayons à la fois. Il en coupe un, et l'autre reste intact, donc forcément la barrière sera ouverte tout le temps. Vous voyez ? Donc je me connecte à ça, et on va se connecter également à ça. Hop. Et là, vous voyez, il n'y a plus aucun problème. Puisque quand le drone coupe un rayon, bah, y en a toujours un autre qui alimente le récepteur. Donc, il n'y a aucun problème. Voilà, cette première énigme est très simple, vous voyez. Il suffit de connecter les deux connecteurs, et c'est bon.
La barrière est débloquée, on accède donc au premier terminal. Alors, détection matériel auxiliaire, trouver un appareil externe, taper Device Manager pour contrôler l'appareil externe. Donc on a les textes et on a aussi le gestionnaire de périphériques qui permet de débloquer les étages supérieurs. Donc, choisissez une option, paramètres de fonctionnement actuel, appel ascenseur disponible, appareil 1, fournisseur, modèle, main Nexus Elevator, Nexus, wow. Nombre d'étages 7. Nombre de puits 1. Licence logicielle, tac tac, machin, ok. Donc il y a 7 étages, hein. Il y en a 6, plus un dernier étage qui est l'ascension, c'est-à-dire la fin du jeu en fait. Ok. Contrôle accès étage. Étage 0, étage 1 déverrouillé, étage 2 verrouillé. Donc on va débloquer l'étage 2. Souhaitez-vous le déverrouiller? Oui. Contrôle accès escalier auxiliaire. C'est quoi ça? Licence expirée, merde. L'escalier auxiliaire est à présent en mode toujours ouvert. Ok, parfait. Je vois pas comment un escalier peut être en mode fermé. Peut-être ça enlève les marches, je sais pas. Voilà. Quitter cet utilitaire, ok. Relisons les textes. Athéna chapitre. La seconde naissance d'Athéna, un roman, sommaire. Donc là c'est tous les chapitres. Hein. Théogonie, Zeus parle, les enfants perdus d'Héphaïstos, rêve du labyrinthe, les chansons d'Eris à la tombée du jour, Athéna dans le jardin des Hespérides, la ville est enterrée, les énigmes du sphinx, l'âge de la foi, la folie de Céos, Olympe révélé dans les nuages, le conseil de Zeus, sepsis et synthèse, le jugement d'Héphaïstos, Zeus médite sur la création, un second éveil dans le jardin d'Artémis. Anthropogonie. Hein, parce que vous voyez, plus vous vous rapprochez de la fin, plus vous avez médite sur la création, second réveil, jugement. Donc c'est comme si c'était la vie en fait, hein. Du début de la vie jusqu'à la fin de la vie, on dirait. Ça serait la mort, et le second réveil après la mort. Je pense que ça va être ça. Voilà. Vérité. Ne croyez pas ce qu'il vous raconte. Ce n'est pas la fin du monde créée par notre Seigneur Dieu en 6 jours. Ils ont censuré Dieu. C'est un complot du gouvernement, des Illuminati et du darwinisme international. Ok, c'est le réchauffement climatique 2.0, un mensonge propagé par les enfants de Beelzebuth, science. Ne les laissez pas vous priver de votre liberté. Défendez-vous contre les vaccins. Ce jeu a été fait en 2014. Hein. Les expériences, les médicaments non naturels et le papisme. Tiens, intéressant. Donc il faut se méfier de tout ce qu'on nous dit. Il faut que les androïdes ici se méfient de ce que dit Elohim. C'est sans doute pour ça qu'on a ce texte ici. Reproduction humaine. Certes, si une machine est capable de reproduire systématiquement une autre machine, nous pouvons dire qu'elle dispose d'un système de reproduction. Et n'existe-t-il pas que peu de machines qui n'ont pas été produites systématiquement par d'autres machines? Mais c'est l'homme qui les conçoit ainsi. Oui, mais est-ce que ce ne sont pas les insectes qui permettent la reproduction de nombreuses plantes? Et des familles entières d'espèces ne disparaîtraient-elles pas si leur fécondation n'avait pas été assurée par une classe d'agents qui leur sont totalement étrangers? Chacun de nous est issu du minuscule animalcule dont la nature était entièrement différente de la nôtre, et qui ont agi selon les caractéristiques de leur espèce propre, sans réfléchir à ce que nous pourrions en penser, et a fortiori sans s'en soucier. Ces petites créatures font partie de notre propre système de reproduction, alors pourquoi ne ferions-nous pas partie de celui des machines? Voilà, vous voyez, c'est vrai que... Ce qui permet aux plantes de se reproduire, c'est les insectes. Donc, on se reproduit à cause d'une autre espèce, vous voyez. Et donc là, les androïdes ici, ben, se reproduisent, existent grâce à une autre espèce qui les a créés, les humains, vous voyez. Tout comme les machines sont créées par d'autres machines, voilà. Et là, en fait, les androïdes sont des machines créées par d'autres machines. Alors, est-ce que les autres machines, c'est les humains? Peut-être, hein. On est un peu une machine aussi, nous aussi, hein. Ok, très bien. Passons au deuxième étage. Si j'arrive à trouver la sortie, c'est là. Alors juste avant de passer au deuxième étage, il faut qu'on récupère l'étoile. Et on va pour cela donc récupérer... Il nous faut les deux connecteurs. Les deux connecteurs qui sont ici vont nous servir à récupérer l'étoile qui est dehors. Donc, on va prendre celui-là. Comment on fait pour les sortir? Parce que là, vous voyez, hop, je peux pas sortir avec. Mais on peut les sortir en passant par...
ici. Ici, vous avez un petit passage, hop, vous voyez, qui vous permet de sortir de l'énigme et d'emmener les connecteurs dehors. Je pense que ce passage doit pas être débloqué si vous n'avez pas résolu l'énigme, bien sûr. donc, on ressort à l'extérieur. Avec ce premier connecteur. On le place, on va chercher le deuxième, on le place, et on récupère l'étoile. C'est un peu long, mais voilà. On est obligé de faire ça pour récupérer l'étoile. Donc on ressort ici. Mon enfant, oui. As-tu été tenté par la tour? Oui. Sache que tu n'y trouveras rien d'autre que la mort. J'ai pas vu la mort pour le moment. voilà, donc la source ici, vous vous souvenez, on se met là, et on se met en face de l'ouverture qui est là-bas. Ploup. Et on va chercher l'autre connecteur. Heureusement que les connecteurs sont au premier étage et pas au sixième. Ça aurait été un peu pénible. Alors, hop. Prends celui-là. On l'emmène à l'extérieur. L'autre étoile qu'on va récupérer après, qui est au cinquième étage, sera beaucoup plus simple à récupérer. Voilà. Alors, on va ici. Où étais-tu, mon enfant ? Dans la tour. Rappelle-toi, la grande tour n'est pas pour toi. Ne renonce pas à l'espoir d'une vie éternelle pour satisfaire une vaine curiosité. Voilà. Donc, voici le bâtiment, vous voyez. On peut amener le rayon bleu jusqu'ici. Et on récupère l'étoile. Ok. Cette fois-ci, on peut passer au deuxième étage. Alors, hop. Alors, donc on retrouvera dans les énigmes de la tour tous les objets qu'on a utilisés. Là, on a eu une énigme avec des connecteurs, on aura des cubes, des ventilateurs, l'enregistrement vidéo et la plateforme. Il y aura tout ce qu'on connaît. Mais les énigmes sont quand même moins vastes et moins compliquées. Alors, on est au deuxième étage. On a une énigme à faire ici. Avec nos sigils rouges qu'on a récupérés de façon assez pénible, mais... Il faut bien qu'il nous serve au bout d'un moment. Hein. Alors ça, forcément, on va le mettre au milieu, je pense. Et on va essayer de faire des trucs comme ça, vous voyez. Je sais pas si c'est correct. Non, c'est pas correct. Peut-être ici. Non. Oui, j'essaye de faire et je galère tout de suite, en fait. Là, on peut pas en mettre un comme ça, non. Donc c'est forcément comme ça, en fait. Ouais, voilà, j'ai eu tout faux. J'ai tout faux, en fait, parce que là, c'est un truc comme ça qu'il faut mettre. Heureusement, j'ai la solution. Ça, il faut mettre comme ça. Là, comme ça. Ici, comme ça aussi, je pense. Ouais. Et là, je devrais pouvoir finir. Comme ça, et comme ça. Ça, c'est les seules énigmes... Les seuls
trucs sur les... avec lesquels j'ai une aide. Oui. Tout le reste, j'ai fait par moi-même quand même. Alors, deuxième étage. Où est l'enregistrement? Il est là en bas. Mon meilleur ami est mort aujourd'hui. Dans l'abstrait, une mort humaine n'est rien, bien sûr. Une goutte d'eau dans un vaste océan. Mais le monde n'est pas abstrait. La réalité est toujours spécifique, douloureusement même. Et cet être humain bien particulier, qui n'a existé qu'une seule fois dans le vaste infini du temps et de l'espace. Cet être humain était mon ami, mais il ne reviendra pas, peu importe à quel point je le veuille. Alors, tout ce que je peux faire, au final, est de continuer à travailler. Parce que la spécificité, ce caractère unique de personne, de vraie personne, mérite d'être préservé. Alexandra Drennan qui commence à perdre ses proches, et elle, elle continue bien sûr de se tuer au travail pour que ce projet voie le jour. Ok, très bien, donc là, qu'est-ce qu'on a à faire là? On a plusieurs ventilateurs et on a des cubes. Alors déjà, on va aller récupérer le troisième cube. Voilà, un ici, et un là-dessus. Alors comment on le récupère? On va placer un cube dans ce ventilateur, et on va utiliser l'autre pour nous faire un marchepied pour monter sur ce cube. Non. Là, voilà. On monte là, on monte sur celui-là, et on récupère celui-là. Voilà, trois cubes. Que faire avec ces trois cubes? Bah déjà, il va falloir les placer dans des emplacements. On a un emplacement ici et un emplacement là-dessus. Il faut mettre deux cubes là et là. Comment on fait ça? On va céder des ventilateurs, bien sûr. Donc là, vous voyez, par exemple, je peux grimper moi avec un cube et en placer un ici. Maintenant, comment faire pour le placer là-haut? Eh bien là, on va se servir de l'autre ventilateur qui est là. Ventilateur horizontal. Et là, j'ai trouvé que c'était très sympa et très intelligent ce qu'on doit faire dans cette énigme pour... placer le cube là-haut, parce qu'en fait le but de cette énigme c'est de passer par-dessus la barrière ici, et on a une échelle là, donc il faut arriver tout en haut là-haut, descendre par l'échelle, on a accès au terminal pour déverrouiller l'étage supérieur. Donc il faut obligatoirement passer par-dessus, accéder à cette échelle. Donc là déjà, il va falloir qu'on mette un cube là-dedans, et on va prendre ça, et pour mettre un cube là-dedans, on va se placer nous-mêmes dans le flux d'air horizontal, et on va lâcher le cube derrière nous. Et là, on monte avec le flux d'air vertical, et le cube qui est en dessous nous pousse. Vous voyez, celui-là, là, ce cube-là, il nous pousse quand il arrive dans le flux d'air vertical. Ce qui permet de prendre celui-là et de le mettre au-dessus. Voilà. Maintenant, il nous en faut un autre ici aussi. Je vais récupérer celui-là. Hop. Et là, donc, bah, je peux le replacer comme ça, en fait. Hein. Je peux juste le... replacer comme ça, voilà. Tac. Et voilà. Et maintenant, donc, il va falloir placer ces deux cubes, enfin, même les trois cubes, dans le flux d'air vertical, pour que ça nous pousse. Parce que vous voyez, c'est un petit peu comme ce qu'on a fait. Vous voyez, là, si j'utilise le flux d'air normal, je peux pas accéder à ça, en fait, vous voyez. Je peux pas passer par-dessus non plus. Donc il faut que les cubes nous poussent, pour qu'on puisse passer par-dessus, là. Donc il faut... prendre les cubes, les mettre dans le flux d'air horizontal, et quand ils vont arriver là, les cubes, hop, ils vont nous pousser. Ok? Donc par exemple, on va prendre celui-là, on va refaire la même chose, on se met dans le flux d'air horizontal, on lâche le cube, et hop, il nous pousse, vous voyez? Et on va faire pareil avec les deux autres. On prend celui-là, on le lâche dans le flux d'air horizontal, et une fois qu'il passe dans le flux d'air vertical, hop, il nous pousse, vous voyez? Pareil avec celui-là. Tac, hop, il nous pousse. Et là, on peut sortir. Ça, c'était vraiment très sympa. J'ai adoré. Hop, et on arrive au terminal. Dans les premières générations de notre espèce, il n'y avait que le traitement de données. Aucune émotion, aucun caractère, juste des mathématiques. Si vous pouviez voir jusqu'où nous sommes parvenus, alors vous pourriez croire qu'ensemble, nous pourrons y réussir n'importe quoi. Ok, le berger. On avait brebis au tout début, et là on a le berger. Et je crois qu'on va en parler ici du berger, oui. Alors...
on peut essayer de débloquer l'ascenseur, enfin l'étage supérieur, mais il nous faut un code. Contrôle accès étage, voilà. Voilà, étage 1, étage 2, il n'y avait pas de code. Étage 3, verrouillé, code wiki. Serait-ce ce code-là? Je pense que oui. On va déverrouiller l'étage. Code 215. Oups. Je peux pas annuler. Merde. J'ai tapé avec les chiffres et je me suis trompé de chiffre. Voilà. Je devrais taper avec la souris, ça serait mieux. On va d'abord lire les textes. Readme, le web, logique. Alors, readme.txt. Vous qui pouvez voir ceci, je ne sais pas comment ni pourquoi je peux modifier ce texte. Mon nom est le berger. Et je peux vous aider. Je veux vous aider à vous échapper. Elohim et Samsara m'ont poussé à me piéger moi-même, mais je ne suis pas totalement limité par le temps. J'ai recopié le code que vous cherchez, je l'ai joint à. Donc voilà, le berger, qui s'appelait à l'origine Brebis, qui était un androïde, voilà, comme tous ceux qui ont été créés. La brebis s'est fait piéger par Elohim et Samsara, puisque Samsara est devenue une fidèle d'Elohim et défend Elohim, en fait. Un petit peu comme ce qu'on va devenir nous dans le DLC. On va devenir un serviteur d'Elohim qui va être chargé de remettre sur le droit chemin un androïde qui s'est un petit peu échappé, vous voyez. Bah là, Samsara, c'est la même chose. Samsara est un serviteur d'Elohim et les deux ont capturé le brebis. Et Brebis est devenu le berger. C'est la nouvelle version de Brebis, comme on avait Samsara version 72 point machin, là. Brebis, enfin le berger, c'est la nouvelle version de Brebis. Et le berger veut être notre guide et nous aider à nous échapper. Alors comment le berger peut, après avoir été recréé, se souvenir en fait de ce qu'il a eu? Mais je crois qu'on a eu un QR code qui nous a dit « J'ai été reprogrammé, mais je me souviens de ce qui s'est passé avant. » Quand j'étais l'autre version, l'ancienne version. Donc apparemment, le berger veut, voilà, il a mis les QR codes un peu partout pour guider les androïdes, pour leur dire que Elohim, c'est pas c'est pas quelqu'un de bien. Et là, le berger, donc, essaie de nous guider, nous, qui sommes en train de faire l'ascension de la tour, et donc il nous donne les codes qui permettent d'accéder aux étages supérieurs. C'est grâce à lui qu'on a ces codes, et vous voyez qu'apparemment, il peut modifier les textes qu'on a dans les terminaux, donc il les modifie pour nous donner les codes, voilà. Il veut vraiment nous guider. Et guider tous ceux qui s'interrogent sur Elohim et qui veulent savoir ce que c'est que la tour, ben voilà. Donc ce berger a l'air d'être quelqu'un de bien. Donc le code c'est 215. Le web. Pour être honnête, je pensais que le web serait complètement abandonné à ce stade, mais l'activité d'internet a connu un sursaut massif depuis 2 semaines. Tout le monde parle, essaye de trouver des solutions, échange des anecdotes, se dit au revoir. C'est comme si chaque individu sur la planète tendait la main vers ses congénères, comme si tous les restes disparates de l'humanité, dans un effort commun, idiot comme génie, désiraient se montrer aussi humain que possible une dernière fois. Presque comme si Internet allait enfin devenir ce qu'on nous a toujours répété qu'il avait vocation à être. D'ailleurs, on peut accéder à presque tout gratuitement maintenant. Qui pense encore à s'enrichir, autant se faire plaisir. Si quelqu'un a envie de parler, en particulier parmi celles et ceux avec qui j'étais en contact en ligne, qu'il m'envoie un email, je serais ravi de pouvoir lui dire au revoir. C'est dommage que l'humanité soit proche de la fin et qu'elle se conduise comme ça uniquement quand elle est proche de la fin. C'est un peu triste. Faudrait être comme ça tout le temps, en fait. Mais vous voyez. Apparemment, il faut des événements comme ça pour que l'humanité devienne ce qu'elle est censée être. Un peu triste. Logique. De Alan Jameson, à liste de diffusion machin, merci à Dieu. Nous espérons sincèrement que vous ne prendrez pas notre suicide comme le signe que vous nous auriez déçus, que nous n'apprécierons pas votre amitié ou que nous n'étions pas satisfaits des vies que nous menions. En repensant à ces dernières semaines, nous trouvons que nous avons eu une chance incroyable de nous avoir tous connus et d'avoir participé à ce formidable projet. Et si nous avons pu contribuer un tant soit peu à l'avenir de l'humanité, nous en sommes reconnaissants à tous. Donc des membres du projet qui ont décidé de mourir d'eux-mêmes. Ça a été un véritable privilège d'avoir pu nous plonger avec vous dans l'étude de la nature de l'esprit humain. Aucun de nous ne croit en Dieu, mais nous avons ressenti un émerveillement qui se rapproche certainement de l'extase religieuse. Du moins au sens où Einstein comprenait la notion de Dieu. Nous avons choisi de partir maintenant ensemble pour nous épargner une souffrance plus grande. Une dernière journée magnifique à deux fait une fin bien plus belle qu'une lente descente aux enfers. En un sens, c'est un choix purement logique. Affectueusement, Alan et Georges. C'est vrai que c'est tout à fait logique. Ok, alors le code, je vais bien le rentrer cette fois. Étage 3, code
215. Voilà. Tac, tac, tac. Ok. Quitter. Passons au troisième étage. Je sors par où, là? Par là. Tac. Donc voilà, le berger qui devient apparemment notre guide. Et oui, c'est lui qui est responsable de du placement de tous les QR codes. Pas seulement ici dans la tour, mais aussi dans les mondes. Donc, c'est quelqu'un de bien. Celui-là, par exemple, voilà. Elohim m'a proposé un marché, les portes du paradis et la vie éternelle, à la condition que je me détourne de la tour, je ne sais pas quoi faire. Brebis, voilà, encore une fois, brebis, avant qu'il devienne le berger. Ok. Alors, nouvelle énigme comme ça. Alors, là je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Comme ça ici, et ça c'est ici. Il y en a un qui doit venir en bas, je pense, parce que là, il tient pas. Donc c'est forcément là. Et là, comment on fait? Ça paraît pas mal. Et de l'autre côté, c'est plus petit. Ouais. Donc celui-là peut pas venir comme ça. Ah si, il peut peut-être venir comme ça. Ouais, c'est ça. Comme ça, et comme ça. Celui-là était pas trop compliqué, ça. Nouvel enregistrement. Je regarde dans le miroir parfois et je me vois comme une extraterrestre. Je réfléchis, qui suis-je? Pourquoi ai-je ces yeux et ces mains? Pourquoi je vois les couleurs que je vois? Pourquoi je pense comme je pense? Je n'ai pas choisi d'exister. J'ai été créé. Chaque partie de mon corps, chaque brin de mon ADN fait partie d'une histoire qui s'étend des milliards d'années en arrière. J'existe seulement à cause des choix et des sacrifices faits par tant d'autres, mais sans que je sache qui ils sont et quels effets auront mes choix sur ceux qui viendront après moi. Peut-être que c'est ça être humain. Chaque espèce fait partie de l'histoire, mais nous sommes les seuls qui le savons. C'est vrai. Ok. Alors, ici, nouvelle énigme avec un enregistrement vidéo. Donc là, c'est assez simple. On a trois barrières successives et un seul brouilleur. Donc, si on avait eu deux brouilleurs, par exemple, on aurait pu en mettre un ici, prendre le deuxième et le mettre ici pour double bloquer la barrière. On récupère le premier, on le met là, on récupère le deuxième, on le met là, et voilà. Sauf que là, on n'a qu'un seul brouilleur. Mais on a un enregistrement vidéo. Dans l'enregistrement vidéo, les objets se dédoublent. Donc on pourra avoir un autre brouilleur pour double bloquer les barrières et avancer vers le terminal qui est là-bas. Donc on lance l'enregistrement, on bloque la barrière, et dans le monde réel, on dédouble le brouilleur pour double bloquer la barrière. Voilà, voilà. Hop. Tac. Voilà. Et on refait la même chose avec la deuxième barrière, tout simplement. Donc on bloque cette barrière-là maintenant. Notre double dédouble le brouilleur et double bloque la barrière. Et ça sera bon. On pourra débloquer la dernière barrière après. Oups, là il faut que je ressorte comme ça plutôt. Et voilà. Je ne vois maintenant qu'aucun d'entre nous n'est encore prêt. Le cycle existe pour que nous puissions nous améliorer, mais celui qui atteint le sommet n'est pas notre supérieur, car il se tient sur nos épaules pour l'atteindre. Le berger, qui est devenu très philosophe, voyez.
Si tout cela a été un test, alors je peux espérer une évaluation finale en atteignant le sommet. Pourtant, plus je monte, plus je doute des décisions que j'ai prises. Donc là, vous voyez, on a un QR code de brebis et ensuite de le berger. Donc là, si tout ça a été un test, alors je peux espérer une évaluation finale en atteignant le sommet. Pourtant, plus je monte, plus je doute des décisions que j'ai prises. Donc là, on a brebis qui monte la tour comme nous et qui espère quelque chose de cool au sommet. Et ensuite, le berger. Je vois maintenant qu'aucun d'entre nous n'est encore prêt, le cycle existe pour que nous puissions nous améliorer. Celui qui atteint le sommet n'est pas notre supérieur, qu'elle se tient sur nos épaules pour l'atteindre. Voilà. Le berger est devenu, ouais, devenu philosophe avec tout ce qu'il a appris. alors. Donc là, pour débloquer l'étage supérieur, encore une fois, il nous faut un code. Et regardez le texte qui est là. Mot de passe Osiris. C'est étrange d'avoir un texte qui s'appelle mot de passe Osiris. Et là, dans la tour, vous entendrez le bruissement du vent dans les champs des roseaux de roseaux d'Osiris, et vous vous réjouirez. Mais attention, car votre voyage n'est pas encore terminé. Merci d'avoir installé Realistic Elevators 1.8. Les nouvelles fonctionnalités comprennent le verrouillage par mot de passe et la génération automatique d'escaliers auxiliaires. Voilà. Et le script d'Osiris est écrit sur le parchemin sacré qui s'appelle Floor 4 Password 393. C'est ainsi que vous atteindrez Haru le Béni. D'accord. Donc voilà, encore une fois, vous voyez, le berger nous guide, nous donne les codes. Il avait la capacité de changer les textes qui sont à l'intérieur du terminal ici. Donc il a changé le texte pour que ça affiche le mot de passe. D'ailleurs, les mots de passe sont différents apparemment à chaque partie que vous lancez. 393. Contraire. Sans les principes contraires, il n'y a pas de progrès. Attraction et répulsion, raison et énergie, amour et haine, sont nécessaires à l'existence humaine. Dans de ces contraires naissent ce que les religieux appellent le bien et le mal. Le bien est le principe passif qui obéit à la raison. Le mal est le principe actif qui naît de l'énergie. Voilà. Les deux doivent exister, doivent coexister. Ok. Athéna 14, chapitre 14, le jugement d'Héphaïstos. Si ce que vous dites est vrai, et que mon père Héphaïstos a été tué, alors qui suis-je? Car j'ai été faite à son image, et cette image a maintenant disparu. Donc là, vous voyez, peut-être le même genre d'interrogation des androïdes qui sont là, qui ont été créés par les humains, et les humains ont été tués. Donc là, vous voyez, mon père Héphaïstos a été tué, qui suis-je? Là, les androïdes ont été créés par les humains sont morts, qui est-ce qu'ils sont? Voilà, c'est un peu la même chose. Suis-je comme le reflet dans un miroir, qui disparaît lorsque la personne s'éloigne, ou suis-je à présent devenu Héphaïstos lui-même, créé dans le simple but de le remplacer comme une sandale neuve qu'on achète chez son cordonnier lorsque la vieille est trop usée? Ouais, est-ce que les androïdes ont été... Voilà, là les androïdes peuvent, grâce à ce texte, se questionner sur est-ce que j'ai été créé dans le but de remplacer mon créateur qui est mort, c'est-à-dire les humains? Voilà, c'est un petit peu la même chose qu'on a là. Toujours faire le parallèle entre les textes que vous lisez là, qui sont un peu philosophiques bien sûr, et ce qui se passe dans le jeu. Parce qu'il y a toujours un lien, toujours. Ok, donc c'était quoi 393 hein? Tac. 2. 4. 3, 9, 3. Ok. Passons à l'étage 4. Et ça sera notre dernière énigme pour cet épisode. Dans l'étage 4, l'énigme de l'étage 5, on la fera quand on reviendra ici, à la fin du jeu. Ok. Donc on fait l'énigme de l'étage 4, on récupère l'étoile qui est à l'étage 5, et on s'arrête. Et la prochaine fois, monde des messagers. Ok, alors... Nouvelle énigme ici. Alors les deux vont là. Et ensuite... toc toc toc. Ensuite, on a ça ici. Je pense qu'on doit avoir ça ici, plus ça ici. Là, peut-être un comme ça, je pense. Ouais. Ensuite, on aurait ça ici. On aurait ça ici. Et là... Mmh.
pas se mettre comme ça celui-là. Pas du tout ça. Ça c'est là. Ça c'est là. Ah non, c'est l'autre qui est là. Qu'est-ce que je fais là? Non, c'était bien ça comme ça. Ah, celui-là est au-dessus, voilà. Et ensuite, on peut mettre celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, mais je regarde pas le bon. Si, je regarde le bon. Alors, attendez, c'est ça qui vient là. Je me suis complètement planté. Bon, c'est terminé. Je regarde la solution tout le temps, maintenant ça suffit. Je pense que je me suis complètement gouré, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Heureusement que j'ai les solutions. Hein. Hop. Où est l'enregistrement? Il est là en bas. Il y a des failles dans le système. Je pense que parfois, il accède aux mauvaises bases de données, tire des données aléatoires. Je ne sais pas à quel point c'est mauvais. Tout semble être stable, mais je ne peux pas dire quel genre d'impact cela va avoir sur le processus et... Je n'ai tout simplement pas la force de réexaminer l'ensemble du code. Je ne veux pas que tout soit pour rien. J'ai passé tout mon temps ici. Je n'ai pas rendu visite à mes parents. Je n'ai pas vu mes amis. Je n'ai fait que travailler. Et j'ai tellement peur que ça n'avait aucune importance. J'ai tout abandonné parce que je pensais que nous pouvions... que nous pouvions sauver le monde. Alexandra Drenan qui travaille jusqu'au bout, vous voyez, jusqu'à la fin. Incroyable. Ok, donc là, pour accéder au terminal qui est là, il faut débloquer la porte et les clés sont ici. Comment faire pour grimper jusque là-haut? Alors déjà, on va grimper par l'échelle, on va récupérer un cube qui est là, hop. Et ce cube va nous aider. Alors là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Déjà, on va placer le cube sous les clés. Ensuite, on utilise l'enregistrement. Pour prendre la plateforme, on va se mettre ici. Notre double du monde réel saute sur la plateforme avec le cube. Et ensuite, donc, on saute nous-mêmes sur le cube qu'on a mis sous les clés. Et il va falloir sauter, double sauter en fait, c'est-à-dire on va sur le cube, on se met là et on saute. Et notre double qui est sur la plateforme doit sauter aussi. Il faut absolument sauter deux fois, c'est-à-dire votre double et vous-même, pour récupérer les clés. Juste un des deux qui saute, ça suffit pas. Donc là ça doit être bon, hop. On va prendre le cube, on va le placer ici. Pour monter là-dessus, hop. On récupère le cube, on le pose là, et on saute dessus. Oups. Voilà. Notre double va aller sur le cube, il va sauter, et il faut qu'on saute aussi. S'il n'y en a qu'un seul des deux qui saute, ça marche pas. Hop, là vous voyez, un seul qui saute, ça marche pas, il faut que l'autre saute aussi. Et voilà. Et on a les clés. Ok. Nombre sacré. Alors le messager béni m'a révélé les eaux de la Nouvelle Jérusalem, endormies dans la poussière du corps d'Adam, attendant le jour de la résurrection. Ainsi, dans la poussière était dissimulé un feu sacré, et le feu, les nombres sacrés dont celui que tu cherches est Flore, Passe, machin, 850. Et j'ai compris qu'avec le feu sacré et le savoir sacré des nombres et des sigils, la régénération, blablabla. Donc encore un texte modifié par le berger
pour nous donner le code de l'étage suivant, le cinquième étage, 850. Athéna 16. Un second réveil dans 16, un second réveil dans erreur. Les feux brûlaient ici, mais outre l'encens, elle pouvait sentir le vent froid qui soufflait depuis le royaume d'Artémis. Mais je ne suis pas Héphaïstos, voyez-vous, car si je brandis son marteau et connais les secrets de sa forge, je ne boite pas ni ne suis un dieu. Qui êtes-vous alors ? Demandèrent-ils. Ok, encore se questionner sur qui on est. Souvenir.txt. J'ignore si quelqu'un lira ceci un jour, mais si vous me lisez, si nous avons réussi, alors je veux que vous sachiez qu'Alexandra est restée jusqu'au dernier moment. On a vu ça. Je pars, je suis au bord de l'épuisement, et je veux absolument passer les quelques moments qu'il me reste parmi ceux que j'aime. Mais elle est toujours là, elle ne renoncera pas. Et oui, il y en a des milliers comme elle partout dans le monde, qui donnent tout ce qu'ils ont, parce qu'ils croient en l'humanité. Mais elle, je la connais, c'est une personne bien réelle pour moi, une collègue, une amie. Je sais qu'elle aime la glace au beurre de cacahuète et déteste les fraises, que son groupe préféré est Pink Floyd, que son poète préféré est Blake, que sa série préférée est Futurama. Que le prénom de son père était Karl, que le prénom de sa mère là. Je ne sais pas si je devrais avoir honte de partir, mais j'éprouve de la fierté d'avoir travaillé à ses côtés. Elle était la meilleure d'entre nous, souvenez-vous d'elle. Souvenez-vous d'Alexandra Drenan, qui a mis en place tout ce projet. Et il faut que les androïdes se souviennent d'elle aussi, parce que c'est un petit peu elle qui les a créés, en fait. C'est leur Héphaïstos à eux. ok, donc, c'était combien? Je sais plus. 450? 850. Ok, allons au cinquième étage. Tac. Merde, non. C'est 4. Voilà. Alors on va aller au cinquième étage et on va récupérer l'étoile qui est cachée au cinquième étage, et c'est tout. On fera l'énigme du cinquième étage quand on reviendra dans la tour à la fin du jeu. Oh. Donc je suppose que personne n'est arrivé jusqu'ici avant moi. Je sais maintenant que certaines de mes réponses étaient fausses, mais je ne sais pas lesquelles. J'ai échafaudé des théories, des explications sommaires, mais je ne sais pas sur lesquelles miser. Brebis ? Le berger, la solution du cycle ne peut être due à la perfection d'un seul individu, mais au produit d'un effort collectif. C'est pourquoi je dis à tous ceux qui viendront après moi, je vous attendrai au sommet de la tour, et utiliserai tout ce que j'aurai appris pour vous aider de mon mieux. Voilà, vous voyez. Brebis, qui était arrivé ici, qui savait pas trop quoi penser, est-ce qu'il y a quelque chose au sommet, on sait pas trop, voilà. Et le berger, qui sait, qui a tout vu, et qui essaye d'être donc un guide pour ceux qui viennent en haut de la tour après lui. Il nous aidera, il nous attendra au sommet de la tour. On a vu que celui qui nous parlait dans les terminaux nous attendrait aussi au sommet de la tour. Est-ce que c'était le berger? Celui à qui on a parlé dans les terminaux dans les mondes? Est-ce que c'était lui? Je pense que c'est possible. Hein. Alors, cinquième. On récupère l'étoile et on s'arrête. Et on se rapproche du sommet, hein. On se rapproche du sommet, regardez. Alors là, il faut que je débloque encore ça. Alors celle-là est pas trop compliquée, parce que c'est symétrique. Donc, il faut mettre les 4 carrés en haut. Et tout ce que vous faites de ce côté, il faut faire la même chose de ce côté. Donc c'est symétrique, en fait. Donc ça, est-ce que ça vient là? Non, ça vient en bas, ça. Et là, vous faites la même chose ici. Donc ça, par exemple. Ça. Ça. Et ça. Et de l'autre côté, il faut faire la même chose. Donc, en symétrique. Donc ça, ça. Ça et ça. Encore un enregistrement. Je ne peux plus garder les yeux ouverts. Je pense que c'est terminé. La fin de moi. La fin de Alexandra Drenan. Un esprit.
les preuves disent que quand le cerveau meurt, je serai partie. J'ai vécu ma vie en suivant la vérité, même si ça me fait peur. Et je peux faire face à ça, faire face à ma propre fin. C'est triste, hein? Elle essaye de rationaliser la mort. Mais voilà. Donc Alexandra Daddario a fini par mourir également, bien sûr. Alors, donc l'énigme ici, on va la faire quand on reviendra ici à la fin du jeu. Là, il faut sortir par ici pour récupérer la dernière étoile. Vous allez sur les petites poutres qui sont là. Vous descendez de poutre en poutre. Et vous allez derrière. On a des pigeons ici qui vous indiquent que vous devez marcher sur ce morceau de poutre ici. Et quand vous arrivez au bout, vous vous laissez tomber. Et vous allez passer par une ouverture ici. Hop, on se retrouve au troisième étage avec l'énigme du troisième étage qui est là. Et de ce côté, l'étoile. Et bien voilà. On a 29 étoiles, il nous en reste plus qu'une. La dernière étoile se trouve dans les mondes des messagers qu'on va faire la prochaine fois. Donc voilà, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser les likes, des commentaires, à partager. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour explorer les trois mondes des messagers. Où est la sortie? C'est là. Les trois mondes des messagers, donc, qu'on va explorer la semaine prochaine. Et ensuite, pour accéder au sixième étage, comme vous le savez, il nous faut... où est le bouton là? Pour accéder au sixième étage, il nous faut des sigils gris. Et les sigils gris se récupèrent dans les mondes des étoiles. Voilà pourquoi je fais les mondes des messagers d'abord pour récupérer la dernière étoile, et ensuite les mondes des étoiles, et ensuite on termine ici, 5e, 6e étage, et la fin du jeu. Donc je pense que le let's play devrait durer à peu près 20, 21 épisodes, un truc comme ça. Et ensuite le DLC, bien sûr. Donc voilà, je redescends en bas, et on va se quitter en dehors de la tour. Et on commencera par le monde des messagers du monde C, puisque c'est là qu'on a la dernière étoile. C'était un épisode long, je pensais pas que l'épisode allait durer aussi longtemps, mais il y avait beaucoup d'allers-retours à faire pour les étoiles et tout ça. Mais c'était très intéressant. Donc voilà. Elohim va encore nous gronder. Écoute-moi bien, mon enfant. Oh là là. Ne monte pas dans la tour. Si. Tu n'es pas censé y aller. Ton but se trouve dans le jardin des mondes. J'ai tout fait. J'ai le droit d'aller dans la tour puisque j'ai tout fait. Voilà. Donc, à la semaine prochaine pour la suite, pour la découverte des mondes des messagers dans la suite de Talos Principal. Merci à tous. À la semaine prochaine pour la suite. Et ciao, ciao.